السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to back my channel. Bienvenue à tous mes abonnés. Welcome. Mhurik abonné bien même l'indiqué si l'on est jam à la demande de certains de mes abonnés. On va préparer domoda. On dit ma fait follerer en polar façon guinéen. Domoda façon guinéenne. Ok, soyez tous les bienvenus. Manglen de nuit aujourd'hui. Taille de nuit togu domoda guinée nuit togue sen domoda non la koi togue taille. Inch'Allah, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like mes vidéos, mais aussi active la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Bismillah. Comme tu es au mi adi, quand on a décidé de faire là, au yaway ou de, c'était quoi simple tout faire là, la way hier du de basal les tomates, ou de la bande de ouline, à chaque fois on monte les tomates, on essaie de les voir ou de dorer. Après non, ouata non, on ouvre un telan, faut le ok, c'était quoi simple faire là, c'est très simple. Comme zar futini hier les tomates basal les. Au kiton a ti habendi watita don ndo follere ne ok si da fala wada li si da yidi sino wada simplement mais meddi madi min teo seeda pour ça on aura besoin de feuilles d'oseille, un peu de farine facultative, de l'huile de palme, du sumbala qu'on appelle oji en polar ou netetu à wolof, et voilà, on a ici 250 de la viande filée qu'on a étalée bien pour faciliter la cuisson. J'ai ici 3 à 4 oignons moyennes, 8 tomates, c'est important de mettre beaucoup de tomates fraîches, aubergine africaine, c'est facultatif ça aussi, un ail, un tout petit peu de ginger, sans oublier le sel aussi. Excusez-moi. Il y a du piment. Ok. Mienda si ta famille nous met une rénom. C'est ça. Si ta yaïd a te ou, c'est simple. Que basal le tamati on rek. Ou a data kander luma. Kander ne bandi ou lin. Après, on a yante la. A tia hata yarek ou a data mati ma ou. A tia misota seda tout. C'est fini. C'est simple comme bonjour. Ok, ici j'ai bien lavé les feuilles d'oseille, je les mis dans un sachet, c'est facultatif aussi. Si vous n'aimez pas, vous pouvez enlever le sachet et mettre dans de l'eau. On va piler notre viande un peu pour qu'il nous facilite la cuisson. On le met comme viande assez. Si vous voulez, vous allez remplacer la viande là par la viande assez, ok? Mais moi, je préfère la viande fraîche, non congelée là. Je pense que c'est meilleur que la viande assez qu'on emballe et on met dans les frigos là. Je préfère celle-ci. Ok, c'est pour cela qu'on va bien piler. Hein. J'ai pris beaucoup de temps pour piler ça parce que c'est trop dur. ici, j'ai pilé piment d'oiseau. On y n'y a pas de toujours de et là dire water ça cancer et n'yama couler du go qui tourne si on y a haïso wadani, ok, ça c'est facultatif aussi. Si vous aimez, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez omettre, ok. Un peu de poivre, c'est juste puisque c'est la viande et l'ail, le poivre ça s'accompagne bien, c'est pour cela que je l'ai mis. On va mettre de l'huile à peu près 250 millilitres. On ne laisse pas beaucoup de temps. On met les oignons et piments que j'avais coupés en lamelles. Voilà, c'est bien doré. Maintenant, je vais mettre ma viande d'assez ou la viande que j'ai mélangée avec un peu d'eau. Mais aussi, j'avais pilé ça. Si vous me suivez dès le début. Voilà, on va laisser un peu.
Ici, je suis en train de piler les feuilles d'oseille qui sont déjà cuites. On mélange bien. On vérifie. Ici, c'est bon. On va mettre notre tomate fraîche avec un tout petit peu d'eau. OK? Excusez-moi la vapeur là. Voilà, on laisse un peu. Après, on met de l'eau. Koni m'a fait follere, momi andi on la plupart koni kambe be defirtamo, ok? C'est un autre simple, il suffit tout simplement d'enlever la viande, ok? Kono hare wonerta. Voilà, j'ai salé, salé à votre convenance, j'ai mis du sel, un cube, c'est facultatif. Aubergine africaine, faites comme eux. Si vous voulez d'autres recettes, je reviendrai avec plaisir. Si Mido Andi, Inch'Allah. J'ai mis un peu d'eau parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui va cuire dedans. La viande est presque cuite. Ici, c'est bon. On va mettre notre sumbala. Notre nez, si nous n'étions tout, la nuit d'œuf, de moda, guinéen, la laine indir, c'est une façon, ok, à leur façon. Voilà, ça continue. Je vous dis, hein, c'était très, 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 très bon. C'était très bon, je vous assure. J'ai mis les piments. Maintenant, on va mettre notre. Feuilles d'oseille, puisque l'eau est diminuée et c'est presque fini. Ici, on va laisser mijoter à feu moyen pendant 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre moitié d'une cuillerée à soupe de la farine. Ici, j'ai coupé piment jaune pour relever le goût. Pour ceux qui aiment le piment là, ça va avoir un super goût. Voilà, j'ai mis la moitié d'une cuillerée à soupe de farine, la moitié, j'ai pas mis beaucoup de la farine, tout direct la def, moi demi-cuillère, la def, ma def kouchi ndok, ko farine se dani mi wadi, koudon ko hakunde koudou mi wadi ndiyan, fi yot, pour yot, yoteku, sinon, action non ha yorake, mais, moi, je préférais faire un peu de la farine, ok? Puisque j'ai dit domoda. Si on a la farine, vous pouvez mettre owadai tchondi, 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 tchondi kabandi. Ok? Bah oui. Comment faire la main? Veluko, novelijem. Et voilà ce qui met fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, mais aussi ça va vous aider dans votre cuisine. Je l'espère vraiment beaucoup, beaucoup même. Merci à tous. Merci à les personnes qui ont commandé aussi. J'espère que ça va vous aider. Quant à moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé la recette. Je vous dis bye bye et à bientôt. Goodbye. Enjoy la famille.